Salut Driver! Hubert, la forme. Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein. On est là. Alors, je te le dis en toute discrétion parce que c'est pas parce que t'es mon pote, mais le premier épisode de featuring, il Ouais. est vraiment cool. Il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait Écoute, plaisir. J'ai reçu écoute, plein de ouais. bons retours et tout. Ça fait tellement plaisir. Ah, il faut pas. Donc, ouais, non, merci, hein, de ouf, je suis content. C'est tout, c'est une semaine sur deux? Ou toutes les 2 semaines, on va faire, ouais. D'accord. Oui, c'est à peu près la même chose, je crois. Ça veut dire la Bah, même chose, ouais, ça veut dire la même chose, crois. mais on peut le dire différemment et c'est Ouais. ça qui est pour la langue française. C'est ça. Attends, je vais noter en même temps. Hop. Le sujet. D'ailleurs, ça a été une galère de ouf, moi, le top 10. On en parlera après, mais. Ouais, j'en avais 13 en fait. Enfin, 14, moi j'avais 14 titres. Pareil. J'ai viré 4 titres, j'ai souffert, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Pareil. Sincèrement, alors, j'exagère un peu, mais j'ai failli pleurer en enlevant un certain morceau. On en parlera tout à l'heure. Alors, donc, on va parler de TLC. Bonjour tout le monde, d'ailleurs, on n'a pas été Voilà. poli. TLC. Ah ouais, t'as pas noté encore, ok. Oh, si, ça y est. Normalement, attends, non, j'ai pas envoyé. Si je l'envoie pas, ça marche pas. Ouais. Voilà. Ça y est, je te l'ai mis. Ok, voilà. Impeccable. Eh ben, on peut commencer par le commencement parce qu'il y a un truc que j'ai appris là juste avant de faire le live. Parce que j'ai checké quelques interviews et puis quelques interviews aussi de LA Reid. Ouais. Et je ne savais pas comment s'était passée la formation de TLC. Je ne savais pas que la protagoniste, elle s'est fait tège de son idée de groupe. Et ça, c'est le pire truc du monde. Ça arrive. Puisque donc, il y avait donc c'est une Crystal Jones, je ne sais pas du tout qui c'était. Ouais. Qui a eu l'idée de faire un girls band un peu garçon manqué. Ouais. Donc, il y avait elle, donc cette Crystal Jones. Tu la connaissais, toi? Ouais. Elle faisait quoi? C'était une chanteuse du coin qui faisait rien de spécial, mais en Parce fait, qu'on parle je la connais d'Atlanta. par rapport à l'histoire, en fait. Ouais. Ouais. Qui a été Et racontée. puis, Après, il y a eu un ouais. biopic, mais il y a des petits trucs qu'on voit pas du début du groupe. Donc, voilà. Mais bref. Je l'ai pas vu le biopic, moi. Il est magnifique. Ah ouais? C'est-à-dire, dans la Bah écoute. série des biopics que les Américains, ils ont fait, là, à un moment où Ils ont c'était la quoi? mode, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur biopic. On parle de téléfilm. Hein. Je te parle pas de ceux Oui, qui on sont parle de sortis au téléfilm. cinéma. Téléfilm, c'est le meilleur. Ah, je l'ai pas regardé. Ah, Faut que c'est je le d'accord check. avec moi. Ah, si Franchement, Ice Cream y est d'accord, eh ben. faut que tu le vois vraiment. Ouais, bah Ouais. j'irai le checker. Et bah du coup, moi je l'ai appris en regardant une interview de Antonio. Comme si c'était mon pote, je l'appelle Ouais, Antonio. c'est un peu. Et donc il y a un casting et t'as Tibose et Left Eye qui sont prises. Et après, et les Reed, il dit, bon, bah tout va bien sauf toi en fait, Crystal. Je pense que c'est toi qui va tège. Ils s'en foutent. Et C'est comme ça, c'est très très dur quand tu es la protagoniste et que c'est toi qui as eu cette idée et qui a démarché et qui a fait des castings pour Mais pouvoir faire ce groupe-là. honnêtement, aux États-Unis, à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus durs, peut-être à juste titre, hein, je sais pas, mais que nous en Bah France. là, c'était à juste titre, hein, du coup. Ouais, je vois, par exemple, tu vois, les groupes de rap, souvent, c'est des groupes d'amis. Un groupe de rap, c'est souvent des copains, des mecs d'un même quartier ou d'une même ville et tout. Et des fois, il y Exactement. en a un qui est pas super bon par rapport aux autres. Aux États-Unis, ils Ouais. n'hésitent pas à dire, toi, ça va pas le faire. Reste autour si tu veux, mais non. Ouais. En France, ce copain-là, on le garde dans le groupe. Ouais. C'est comme ça. Alors moi, je sais pas, hein, ce qui est le mieux et tout, je Parce m'avance pas. qu'en France, on Mais sépare pas le business et l'amitié, peut-être. Je sais peut-être pas. là où les Américains pensent qu'au business. Donc, Bah, c'est regarde, réglé. quand Nelly avec les Saint Lunatics voulait signer chez je sais plus qui, ils ont dit le seul qui est bon là-dedans, c'est toi. Donc on te signe toi, mais ton groupe, on le signe pas. Ils ont laissé, et Ils lui, signent. ils lui ont dit en gros, ouais, si tu marches,
On fait. Tire-nous. Voilà, Voilà. tire-nous. C'est ce qu'ils font, voilà. Mais Voilà. personne s'est énervé, personne l'a empêché d'aller en solo. C'est ça qui est beau. Ouais, exact. Bah, du Donc, coup, et ce qui est voilà. très drôle dans l'interview, c'est que j'ai appris que même Tibose et Lefta, ils lui ont dit, écoute, viens, t'es pas très très forte. C'est ton idée de groupe, mais c'est toi le point faible, donc va-t'en, c'est mieux. C'est dur. Et donc du coup, et ce qui est intéressant, c'est que je pensais que Chili avait passé un casting, mais en fait, c'est la femme à l'époque, la femme d'Antonio qui a dit, hey, il y a une petite danseuse là d'Amien Dame. Elle est plutôt pas mal, elle ferait le taf. Je Parce suis que alchimie parfaite. c'était devenu le groupe, enfin, Peebles. Qui était la femme de Ellie Reed, Ouais. c'était elle qui manageait le groupe, c'était devenu son groupe, c'était elle, c'était son image en fait. Exact. Ouais. Exact. Donc elle a vu cette Chili et s'est dit, ouais, elle pourrait rejoindre le groupe et ce serait bien. Très bon choix. Voilà. Voilà. Très bon choix. C'est Et pas puis, Usher qui dira le contraire. oui, ni dans la sauce Oh, quel enfer. On l'a oublié celui-là. Sacré On boule, sacré l'a garnement. oublié ce filou. On l'a oublié ce Il a filou. failli foutre le groupe en l'air, en vrai. Il a failli foutre le groupe en l'air et je pense qu'il a participé au foutage en l'air de Left Eye, mais on en parlera après. On en parlera après. Donc, autant commencer avec ce premier album. C'est 92, il me semble. Donc, on est en pleine ère New Jack, même si on est à la fin de l'ère New Jack, C'est la fin, toujours c'est la dedans. fin. Et l'album est très New Jack. Ouais. Et juste ce sentiment de cet album, c'est le girls band, c'est le girls power. Tu vois, Ouais. avant l'arrivée des Spice Girls, c'est le girls power, c'est le. Puisqu'on a en fil conducteur sur plein de chansons, on l'aura aussi sur la suite. Et on va venir un peu plus dans l'album, hein, mais pour plein de raisons différentes, c'est le seul album, je trouve, où Lefty elle est à 100%. Où elle se sent bien. Elle rappe quand elle a besoin de rapper. Ouais, parce que ça va vite au niveau de Voilà. des instruments, la musique, ça va très vite. Donc elle peut Oui. rapper sur beaucoup de morceaux en fait. Exactement. Et Ouais. c'est ça qui, tu vois, quand elles arrivent avec End to Prague to Beg, qui est un morceau fabuleux, qui est donc très, très up-tempo, où Ouais. dedans elles disent, écoute, moi, si j'ai envie qu'on se mette bien tous les deux, je vais pas avoir peur de te dire, hey, s'il te plaît, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, viens, on se met bien. C'est très important. Un clip très coloré avec des jeans très très larges. Exact. Et d'ailleurs, j'ai une petite question parce que tous les clips Ouais. de cet album, elles ont des capotes partout sur elles. Il y a des préservatifs Ah, partout. Left Eye, évidemment, elle en a un au niveau de l'œil. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de ce girl power pour dire on n'a pas besoin d'attendre que vous ayez des préservatifs, nous, on en a sur nous. Mais est-ce qu'il y a un truc ça peut derrière? être comme ça. Tu vois? Ça peut être vu comme ça, je sais pas s'il y a un truc derrière, mais moi, le truc qui m'a choqué, il me semble que c'est dans ce clip-là. Hein. Lefta, elle a une grosse paire de ciseaux Oui, et... et à un moment, elle passe devant un mec. Ouais. Ah, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Toujours, toujours, C'est vrai. toujours. C'est vrai. Mais en fait, elle coupe un ruban. Je ne sais pas devant quel truc elle est. Elle coupe un ruban. Mais c'est vrai que quand tu la vois arriver comme ça devant un mec qui est. Lui, il est de dos. Clac! Yeah. C'est dur. C'est ça. C'est dur. D'ailleurs, il y a deux clips qui se ressemblent énormément parce que End to Prague to Beg est très. Alors. Il n'y a pas plus 90s que ce clip End to Prague to Beg, avec des graffitis derrière, des longues salopettes, Ouais, très grosse colorées, couleur pour ceux qui connaissent. grosses colores, partout. Et le clip de What About Your Friends, qui est, Ils on sont dirait que très ça a proches. été tourné, Le même ah ouais, jour. moi j'ai l'impression que ça a été tourné sur le même set, tu C'est vois. très proche, très très proche. Ça se ressemble énormément. Et What About Your Friends, je trouve que c'est une chanson très intelligente où elle dit, ouais, toi tu. T'es tombée amoureuse de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un, mais tu penses vraiment que c'est la bonne personne? Demande à tes amis parce que peut-être que tu te trompes sur cette personne-là. Et ça peut tous nous arriver, on peut tous être aveugle, l'amour rend aveugle, d'où l'expression. Et je trouve que c'est une chanson qui est très intelligente. Et je l'aime beaucoup. Mais j'ai une question, je suis en mode D-Fool ce soir. Vas-y. Ce truc de demander quand on pense qu'on est amoureux, ce truc de Ouais. demander à ses amis, est-ce que c'est pas un truc féminin?
Je suis en train de me demander, est-ce que les mecs font ça? Moi, je leur pose des questions quand ça va pas. Mais quand ça va, je pose pas de questions. Ouais, mais si tu sens, hein, tu te dis, je sais pas si c'est la bonne, c'est pas la bonne, est-ce que tu demandes à tes potes? Ah non. C'est ça. Ah Tu ça non. gardes ça perso. Bah ouais. C'est ce que je pense. J'ai l'impression que c'est plus les meufs qui font ça. C'est l'impression. Vous me direz s'il y a des filles ici, dites-moi. Mais moi, mec, je sais que si je kiffe une meuf, je dis pas à mes potes, ils sont capables d'aller la serrer à ma place. C'est mort. Ça, c'est mort. Mais voilà. Non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas s'il y a des filles ici ce soir. Dites-nous si En tout cas, comment ça. les chroniques du gouffre a dit non, on le fait pas. De quoi? Les chroniques du gouffre Les a dit là, chroniques du goût, on le fait pas non plus. les je sais. Donc, voilà, peut-être que c'est un truc de fille, je sais pas. À vous. À Ok. voir. Il y a Bref. aussi, évidemment, puisqu'elles sont signées chez La Face, Ouais. il y a évidemment Babyface qui est là. Bien Que serait sûr. un album La Face sans Babyface dans les C'est années 90? ça. Pas grand-chose. Et ce morceau Baby, Baby, Baby qui est. Voilà. Oh, Magnifique. quelle merveille! Qu'est-ce qu'il est beau! Magnifique. Avec Jermaine Dupri dans le clip, avec une Avec moustache. Jermaine Dupri dans le Une clip. moustache incroyable. Tu vois, il pensait déjà à Il pensait Jagged déjà Edge. à Jagged Edge. Eh, pourquoi là, Moustache? j'entends? Ah, pardon. Il y a eu un problème de son. Ouais, si on a essayé de Et m'appeler là, c'est bref. pour ça. Ah, ok. Bref, ce premier album, moi, clairement, je l'adore. Très New Jack, évidemment, c'est l'époque. Mais New Jack, super bien maîtrisé. Et Là, c'est j'ai clair. vraiment super. Moi, j'ai rien de mauvais à dire sur cet album. Tu vois, il est Moi, cool, il c'est glisse non, tout seul. c'est arrivé, c'était une blague, hein. C'était une mouvement. C'est surtout ça. Attends. Ah, parce que je t'entendais mal, j'ai l'impression que tu étais en haut-parleur. Non, moi, je t'entends très bas, moi. Ah ouais? Mais Attends, je crois que c'est parce que j'ai. Je crois que Est-ce que c'est t'as eu pas. un coup de fil? Bah, je te vois plus. Voilà, Pardon? c'est bon là? Là, c'est parfait. Ah, Voilà. on a failli avoir le syndrome Teddy Riley. Ou Nelly Riley. Ou Nelly. Ou Jagged Edge Riley. Enfin, il y a toujours quelqu'un. Voilà. Donc, D'ailleurs, bon. entre parenthèses, Ouais. peut-être qu'on finira le live par parler de Alicia Keys. Je l'ai pas vu. Alicia Keys Jeune Légende. Eh ben moi je l'ai vu, donc on en Ok. parlera. Non, ouais, comme ça, tu me raconteras. Ouais, Super. on en parlera tout à l'heure. Voilà. Premier album, Moi, je formidable. prends Et une claque. surtout, Sur, vas-y. carton. Ah oui, ah non, Carton. mais c'est un carton. Carton. Tout premier album, c'est la folie. Et Ah ouais. surtout, moi, je. Comme je te disais, c'est nouveau. Et puis, ces filles, qui sont des garçons manqués, mais en même temps, elles sont mignonnes. Exactement. L'image, elle est nouvelle aussi. Et Ouais. moi, c'est vraiment. C'était sous l'OFM TV, je crois. Il y avait une émission sur MTV, bah, c'est que du R&B. Pour moi, ça marque vraiment cette époque-là. C'est-à-dire, autant je Ouais. regardais l'OMTV rap tout le temps, et quand je vois TLC dans Soul of MTV, je commence à être collé à cette émission et je me prends tous les trucs de R&B et tout sur MTV. Donc, elles ont été importantes pour moi. Vraiment, cet album-là. Bah, en vrai, peut-être qu'on peut en parler maintenant, du coup, c'est j'ai regardé un peu les classements historiques. TLC, dans le classement Billboard, dans l'histoire des groupes, non, dans l'histoire des artistes féminines, donc solo et groupe, elles sont à la 12e place sur un top 100. C'est le premier groupe féminin du top. Ok. Non, mais Tu TLC, vois? c'était énorme. Hein. C'est ah Non, mais je savais que c'était énorme, mais je ne pensais pas qu'elles étaient aussi haut dans un classement. ouais. Et quand j'ai vu les ventes, Ouais. j'ai Parce que halluciné. c'était la folie, TLC. C'était Mais la folie. alors, aux États-Unis, tout cumulé, elles sont à peu plus de 20 millions. Dans le monde entier, elles sont à plus de 80. C'est énorme! C'est énorme! De toute façon, on va y venir sur l'album d'après, mais Ah bah, l'album on va y d'après, venir là. voilà, ça les fait traverser le monde. Là, on n'est plus Ah ouais. qu'aux États-Unis. Bah moi, la première chanson des TLC que j'ai entendue, c'était pas sur le premier album, c'est sur le deuxième, sur OK. Crazy Sexy Cool, qu'on va parler tout de suite, puisque moi, le premier morceau que j'ai entendu, c'est Creep.
Ok. Et il me semble que c'était sur Ado, si je ne me trompe pas. Et elles arrivent avec un album totalement différent parce que tu parlais qu'elles étaient très garçons manqués sur le premier album, ce qui est vrai. Et deuxième album, bah, d'où le nom d'ailleurs, elles ont accentué le côté sexy, leur côté féminin. Et ça Ce se sent aussi pyjama sur les en chansons. soi, ces pyjamas en soi qu'elles ont dans le clip de Creep, c'est Ouais. magnifique. Ouais, c'est fabuleux. C'est C'est magnifique. fabuleux. Ah. Et bon, on reste sur Creep parce qu'on parlera après de ma chanson préférée de cet album. Donc, petit spoiler alert d'ailleurs pour le top 10. Mais Creep, c'est Left Eye qui voulait pas que ce morceau sorte. Puisque ça parle de tromperie. Elles sont Et. compliquées, les tiennes, si vous vous Ouais. comprendrez, vous verrez tout au long du truc. Mais ouais, Ouais, ça ouais. parle de Bah, tromperie. d'ailleurs, on va s'attarder un peu sur Left Eye parce que c'est à partir de là que ça c'est compliqué. Elle voulait pas que ce morceau sorte parce qu'elle voulait pas envoyer le message aux fans de si vous vous faites tromper, eh ben vengez-vous et trompez la personne avec qui vous êtes. Elle voulait pas que ce message soit porté. Au final, ça a été un single, heureusement parce que c'est une tuerie absolue. Magnifique. Et ouais, magnifique de ouf. Et Left Eye, à ce moment-là, elle est dans l'alcoolisme, ça va pas trop dans son couple, puisqu'il me semble qu'elle se fait battre par. C'est un joueur de. Je sais plus, c'est un joueur Football de foot américain. américain ou un joueur de Football baseball. américain. Football Ouais, américain. football américain. Et bref, elle se fait Des maltraiter. Il y a eu cette histoire de. Elle a brûlé la maison qu'elles avaient, où elle vivait avec son mec. Ça allait pas très bien, Left Eye, à part dès cet album-là, tu vois. Et puis, ce qui explique aussi qu'elle est un peu moins présente et que c'est Thibos qui fait une grande partie de cet album vocalement. Une grande, grande partie. Ouais. C'est important, tu parles de Tibose, Ouais. sa voix grave là, qui est sa voix naturelle, mais qu'elle déteste en tant que chanteuse. Elle a toujours essayé de chanter Sérieux? voix aiguë. Et celui qui lui a dit, assume ta voix grave, elle est magnifique, et c'est avec ça que tu vas cartonner, c'est Jermaine Dupri. Oh, putain. Hey, Jermaine Jermaine Dupri, Dupri, il est vraiment fort. il lui a dit, chante avec ta voix grave, ça va tuer. Eh bien, ça tue de ouf. Elle l'a fait, elle n'y croyait pas et ça a tout tué. Ça tue, tue. Voilà. Et surtout dans j'allais dire Red Light District, dans Red Light Special, Red Light District, c'est Ludacris. Ou alors, Perdam. Ouais, exactement. Dans Red Light Special, où elle est en solo, Ouais. et elle est incroyablement sensuelle dans Ah, sa c'est façon de chanter. sensuel de fou. C'est J'adore cette chanson. Ah ouais. Oh là 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 là. Déjà, l'écriture Babyface, magnifique, La chanson évidemment. est magnifique, tout c'est Tu dingue. sais, c'est toujours sensuel, sans être vulgaire, ce qui est la Ouais. marque de fabrique de Babyface. Aussi de Tibos, parce qu'elle écrit très très bien. On verra pour une autre chanson un peu plus tard. Et puis l'interprétation, elle est fabuleuse. Et même dans le clip. Des fois, elle est sexy. Elle a des gestes que tu peux penser un peu vulgaires Non, c'est quand très elle bien. dit, elle dit, On ouais, est viens changé. entre mes cuisses et tout, mais Ah, elle le fait d'une manière tellement ouais. belle que c'est C'est jamais chaud. vulgaire. C'est magnifique et il y a de la chaleur, Ouais. c'est chaud, vraiment. Il y a de la J'aime bien. chaleur. Ah, Ouais. Et puis, voilà. j'adore ce clip où elles sont en train de jouer au poker avec des mecs et on est encore dans le girl power. C'est elles qui ont le dessus. Tu vois. Street poker, les mecs musclés avec de l'huile sur le corps qui enlèvent leurs habits pour elles, c'est beau. Non, c'est beau. Il faut C'est de temps en beau, temps. Ah ouais, c'est c'est beau, bien. c'est super, c'est Ouais. super. Et ce qui est bien dans cet album, c'est qu'il y a de tout. Tu vois, tu passes d'un sujet très sensuel, sexuel, à Waterfalls, qui est assez dur comme sujet, puisque tu as un truc avec des gangs, tu as le sida, et le troisième couplet, je sais plus ce que c'est, mais c'est voilà, c'est très dur. Et surtout, le clip, tu te souviens du clip? Bien sûr, inoubliable Où elle danse sur l'eau, sur un grand océan. c'est ça. Je sais pas quoi. Et à un moment donné, ça a très mal vieilli ce moment-là. Où elles sont Elle en se transforme synthèse. en eau. Ouais, elle Ouais, se elles se transforme transforment en en eau et elles eau. sont sous une chute d'eau. Ça a très très mal vieilli ce moment-là. Ah. Mais Mais. je me suis pas posé la question. J'ai grandi avec. Non, mais Pour moi, c'était sur normal. le coup. Mais ouais, Ouais, sur sur le le coup, moment. tu ne grilles pas. Mais Ouais. la chanson, elle est Quand très très forte. le clip est sorti, c'était une révolution. Bah, Ces évidemment. effets spéciaux-là,
C'était Ouais. une dinguerie. Tout le monde disait, ils ont mis des millions sur ce clip, c'est Ah dingue, oui. la paix, tout ça, Ah oui. c'était une révolution. Ouais. Ah ben oui, évidemment. C'est Ouais. un. Et c'est. Beyoncé a repris If I Was Your Girlfriend, mais If I Was Your Girlfriend, c'est de Prince à la base. Voilà. Et très très bien interprété d'ailleurs par par TLC. J'ai beaucoup aimé leur version. Mais pour en revenir à Waterfalls, terminer avec Waterfalls, c'est Ouais. ce morceau qui les fait faire le tour du monde. C'est-à-dire, c'est avec ce morceau qu'elles prennent le monde, en fait. Cette chanson, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça a été un carton dans le monde entier. C'est pas barré. Vraiment. Donc, Sans très mauvais jeu de important. mots. Ouais, très, très important. De toute façon, en vrai, tout cet album, tu vois, le premier, il est formidable, mais celui-ci, il est. Moi, c'est mon album préféré, hein, le deuxième. Eh ben, tu sais quoi? Pendant très longtemps, on en avait parlé d'ailleurs, pendant très longtemps, moi, c'était Fan Mail, mon album préféré. OK. Mais cette semaine, j'ai réécouté tous les albums, et non. Non, Crazy Sexy Cool, C'est au-dessus. c'est C'est au-dessus le de leur top du truc. top. L'album, il C'est est le top parfait. du top. Franchement, il est Et parfait. puis Take Our Time, j'adore ce morceau, quoi. Elle dit, écoute, on est là tous les deux, on a toute la nuit. C'est pas la peine d'aller si vite sur les choses. Prenons notre temps. Tu vois, comme Comme l'ont dit dirait très bien les poétiques locaux de Montbard, voilà, tu vois. des grands philosophes. Les grands philosophes se rencontrent. Ouais. Cet album, il est. Bah d'ailleurs, ça a inspiré plein de personnes, puisqu'il y a un album de Kehlani qui est Crazy, Sexy, Crazy, Sexy, quelque chose, je sais plus, mais qui est en référence à Crazy, Sexy, Cool. Pff, fabuleux. Voilà, clairement. Et c'est mon album préféré. Mais tu Très vois, il y a lourd. plein de personnes qui mettent Fan Mail. Moi aussi, j'étais comme vous, les mecs. Fan Ah, Mail, c'était mon préféré. après des questions d'âge aussi, hein. Il y a mon gars DJ Noise, lui, il est sur le Ouais. premier. Il est sur le Ouais, premier. parce que oui, mais à vrai dire, le premier il est formidable aussi, tu Ouais. vois. Mais je trouve que le deuxième, il est encore mieux produit. Et puis surtout, on a switché, on est passé dans une autre époque au niveau des productions. Tu pouvais pas revenir avec la production du premier album. Ça Voilà. y est Voilà. sorti tout Et ça. en plus, toi tu connais très bien cette période de New Jack aussi. Toutes les personnes qui ont fait de la New Jack, la transition au nouveau R&B, tout le monde n'a pas réussi. Hein. Ouh, la plupart, ils sont morts même. Mais C'était compliqué. Ah ouais. Albichour, on attend toujours qu'il Ah, fasse un bon album 100% R&B. Hein. non, il a Tu pas vois? pu, il a pas pu. Donc, y en a plein des grandes stars qui n'ont pas réussi et cette transition a été fabuleuse. Tu vois? Ah, Maîtrisée de bout en bout. ils ont fait. Pour moi, c'est un perfect. Crazy Sexy Ah Cool, oui. perfect. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Même la pochette qui est super sobre et qui tranche totalement avec l'autre très coloré. Là, c'est Ouais. rouge et puis t'as les trois têtes. Fabuleux. Voilà. J'ai Voilà. adoré. Bah, on va arriver à mon ancien album préféré, du coup. Fan Fan Mail. Peut-être expliquer dans quel contexte se fait Fan Mail. Parce que mail. c'est très compliqué. Donc, Left Eye avait déjà des problèmes pour Crazy Sexy Cool. Là, sur Fan Mail, non seulement elle a des problèmes personnels, donc toujours avec l'alcool et avec son futur ex-mari. Et puis surtout, elle avait proposé des chansons pour l'album à Dallas Austin. Elle avait proposé une dizaine, il me semble, donc une bonne partie de l'album. Et il a dit non à toutes. Il a mis non, on les prend pas, tes chansons. Du coup, elle les a récupérées bah, pour son album, pour son premier album solo. Et ce qui fait qu'elle est pratiquement pas présente vocalement sur cet album, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est Madame Problème. Et puis surtout, Ah c'est une rappeuse en vrai. Il oui, c'est faut, une rappeuse. tu vois, il faut qu'on l'appelle au dernier moment. Ok, on t'a laissé de la place sur ce morceau-là parce que tu peux rapper. Ça, c'est une balade. Ça sert à rien que tu rappes. Non, c'est plus ça. Donc, moi, ça me dérange pas en fait qu'elle soit moins présente. À partir du moment où Ouais. ce qu'elle fait, elle le fait bien. Donc, voilà. C'est vrai. C'est Maintenant, vrai. Après, il y a des. il me semble. Un morceau comme No Scrubs, Oui, sur la j'allais version parler de de celui-ci. l'album, Lefta, Oui, elle c'est n'est pas exactement dessus. ça. C'est dans le Non, clip, elle y elle est est. sur le. Tu sens que déjà ce jour-là, elle devait avoir un problème. Ouais. Elle n'était pas là. Ouais, elle est pas là sur. Parce que moi, l'album, en fait, j'avais piqué celui de ma sœur. Et j'écoutais.
Et je me dis, putain, comment ça se fait que quand le clip passe sur le boulevard des clips, il y a le couplet de Left Eye. D'ailleurs, on l'entend au début dire basta et tout. Et puis, il y a son couplet. Et sur le CD, il n'y a pas. En plus, j'étais trop jeune pour comprendre comment les choses se faisaient, tu vois. Et maintenant, je sais que elle ne devait pas être là pour l'enregistrement studio. C'est clair. Tout simplement. Ah, bon, Et puis c'est pas grave. elle était ingérable, elle était Qu'elle pas bien. repose, qu'elle repose en paix, on l'aime beaucoup. Ouais. Ah oui, attention. Oui. Moi, Et puis, j'adore son premier album solo, pour la petite je l'ai bien anecdote, aimé. je l'avais déjà dit quand Ouais. on était sur Ocam, mais je devais faire un morceau avec elle. C'est vrai. Et elle nous a Exact. quittés. Elle nous a quittés malheureusement, donc ça n'a pas pu se faire. Donc. On en parlera tout à l'heure de comment elle est partie, Ouais. J'aimerais raconter une anecdote Vas-y. sur No Scrubs, comment le morceau est arrivé. Vas-y. C'est pas directement sur la chanson, mais c'est comment ils sont arrivés, comment ça arrive en fait. C'est que à ce moment-là, quand ils préparent cet album Fan Mail avec le label et tout, le boulot de L.A. Reid, c'est d'aller chercher des chansons aussi, d'aller chercher des hits. Et là, on est déjà dans l'ère Timbo et Missy. Produisent beaucoup et écrivent beaucoup les deux, ça bosse, ça produit, c'est eux qui contrôlent les charts un peu. Et du coup, L.A. Reid va voir Timbaland et Missy. Ils disent, voilà, on bosse sur le nouvel album de TLC, donc j'ai besoin de chansons. Missy dit, j'ai une chanson parfaite pour elle. Il dit, ok, passe la chanson. Il emmène la chanson au TLC. Il dit, voilà, j'ai une chanson, ça c'est un hit. Si vous chantez ça, c'est un hit. Et les filles reconnaissent la patte de Missy Elliott. Et Thibault, c'est elle qui prend la parole, Thibault se dit à L.A. Reid, t'es qu'un suceur. Et lui, il dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle est thug, Thibault, quand même? Une vraie C'est un meuf d'Atlanta. suceur. Il dit, ah, Missy, ça marche, tu vas voir Missy. Si c'est quelqu'un d'autre qui marche, tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc, non, nous, on est Atlanta, on veut que du son d'Atlanta. On veut pas bosser avec Missy, tout ça. Non, non, non. Et L.A. Reid, il dit, vous êtes malade, les filles. Ça, c'est un hit. Si vous chantez ça, c'est bon, ça va cartonner et tout. On n'en a rien à foutre de ton truc, là, de suceur. On chantera pas cette chanson. Donc, il dit à Missy, c'est mort, elles ont pas aimé. Missy, elle dit, OK. Missy, elle a donné la chanson à 702, c'était Where My Girls At, qui a Tuerie cartonné. absolue. Tuerie absolue. Elle est Reid, il en panique. Il se dit, putain, on a raté un hit et tout, je vous avais dit, les filles, elles disent, on s'en fout. Nous, c'est Atlanta. Et Ils se sont tus. finalement, c'est Candy Burrows de Xscape avec son mec de l'époque, Shakespeare, qui ont cette chanson. Super Et il y prod. a la meuf de T.I. aussi, Tiny, qui a écrit aussi un petit peu, parce qu'on cite tout le temps Candy. Mais Tiny aussi, la meuf de T.I. a écrit, qui ont cette chanson. Et là, tout le monde vient d'Atlanta. Et donc, propose la chanson à TLC. TLC dit, ouais, ça, ok, on va chanter. No Scrubs. Et heureusement, le morceau a cartonné, tout a raté. Et elle est lui de dire, ok, ça va. Mais nos Scrubs, mais quels sont incroyables. La prod de Shakespeare, elle est fabuleuse. Ouais. Les Candy à l'écriture, superbe. Le texte, il est ouf, c'est ce que les Et meufs voulaient puis c'est entendre une à ce vraie, moment-là. et puis surtout c'est une vraie thug attitude. Et c'est ce qu'elle, je pense que c'est ce qu'elles avaient besoin parce que c'est beaucoup plus thug que Where My Girls At, c'est un tube fabuleux. C'est Mais nos Scrubs, un girl's power évident, Where My Girls At. Alors que mais No nos Scrubs, Scrubs, il y a une thug attitude dedans. ouais. Et c'est marrant en C'est fait. que, ouais, Ouais, c'est parce que c'est un marrant. peu, tu veux me gérer, mais t'as même pas d'argent, frère. Dégage! Tu vois? Quand il est en voiture avec ses potes, il est toujours sur le siège du passager. Il n'a pas de voiture. Et très, très. C'est Rama. Le texte, il est Rama en fait. Et je la, et incroyable ce morceau. Ah ouais, Et c'est. cet album, ouais. Et cet album, il est aussi très très fort. Il traite de sujets. Et là, sur ces deux albums d'affilée, il traite de sujets vraiment durs et compliqués. Tu vois, sur Unpretty, où là aussi, elles sont dans le girl power, où elles disent, ouais, en fait, moi, je crois que c'est Thibos qui dit ça. Elle dit, moi, je me sentais très très bien avant de te rencontrer. Parce que depuis que je t'ai rencontré, tu veux me changer. Il y a ce qui, il y a un truc où tu veux faire maigrir quelqu'un, grossir les seins de Chili, ou tout. On Et voit je tout vous dans le très clip. ouais, on voit tout dans le clip, c'est simple. Le clip, c'est simple, c'est enfin la chanson, et eh ben c'est le, ça a vraiment la chanson en image pour le coup.
Tu vois, c'est pas un clip Ouais. qui est différent ou est dense. Et je trouve très très fort ce morceau. Et c'est vraiment très girl power aussi. Et c'est très bien fait. Et J'adore. pour répondre à DJ Noise qui nous dit qu'il y a eu une réponse à No Scrubs par des mecs, oui, je m'en rappelle très bien. C'était Sporty Thieves et ils avaient fait No Pigeons et c'était très marrant aussi. Et pour la petite anecdote, comme on est toujours dans les anecdotes ici, Thierry Henry aimait Ouais. beaucoup la réponse. Voilà. C'est dit. Et il y a pour moi dans cet album-là, je dis pas que c'est ma chanson préférée, mais c'est peut-être la plus belle chanson écrite par T-Boz et Babyface du coup de toute la discographie de TLC. C'est Dear Lie. Donc Dear Lie. Oh putain, qu'est-ce que tu fais? Elle est belle cette chanson. Non mais c'est-à-dire qu'en fait à la base c'était un poème que T-Boz voulait faire pour son père. Et au final, elle en a parlé avec Babyface, ils ont réarrangé quelques trucs, ils ont dit écoute, c'est simple, ça va être une chanson, ce sera sur l'album, ce sera certainement un single. Et cette manière dont elle parle en fait du mensonge et qu'elle dit comment ça la rend folle, je la trouve très très belle, très poétique et clairement, elles n'ont pas fait mieux pour moi, textuellement parlant, sur cette chanson. Tu vois. Et puis, clip super, très sobre, mais comme il faut, et T-Boz formidable dessus. Tu vois. Ouais. Et j'adore le refrain. Quand tu Ouais, entends un Dear Lies, morceau. stop putting words in my mind, ça me tue, tu vois. Je Ouais, trouve vraiment fort. il y a un morceau dans cet album que je trouve énorme. Et bizarrement, il n'y a pas eu de clip. Pourtant, il l'a envoyé en premier single, en éclaireur, c'était Silly Ho. Le Il n'y a pas morceau, de clip de Silly Ho. il est Ouais. ouf. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de clip, en fait. Le morceau C'est était vrai. dingue, la musique était dingue. T-Boz, elle est magique dessus. Et je ne comprends pas. C'est aussi une thug attitude, Silly Ho. Ah, totalement. Totalement. On est Totalement. aussi dans la thug attitude. Tu vas pas me trimballer comme si j'étais ta petite chienne à droite, à gauche. C'est moi aussi qui décide ce qui se passe. Et très, très fort. Super J'adore. morceau. Et puis, il y a un morceau que j'adore, et ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé. Peut-être que tu en parleras après. C'est Come On Shinto Down. Sinto, qu'est-ce qu'il a dit? là. Non, Ah, il est il aime là, il bien est là. Silly Ho? Ouais. Hein? Dans Come On Down, quand Candy, elle dit quoi? Come On Down, where the water is sweet. Et que Dive into my ocean. Je ne traduirai pas tout, mais quel morceau fabuleux! Y a vraiment des bons morceaux sur cet album. Cet album, il y avait I'm good at being bad. I'm good at being bad. Jamie Lewis, I'm good at being bad. Et Magnifique. d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Parce que... Magnifique. Ouais. Avec une left-eye au top de son art. Et, bah, c'est son grand moment dans cet album. Et Ouais. ce qui est fort, c'est que la chanson change complètement Ouais. entre le couplet et le refrain. Parce que le Ah. couplet est très doux. Et le Ouais. refrain, bam, ça Et l'autre envoie. rap Left dessus. Ouais. eye. Rap sale. Ça tue. Fort, très très fort. Et c'est pour Ouais. ça que moi, pendant longtemps, cet album, c'était mon préféré. Il est bien, il est bien, il est Tu bien. vois? Mais Et Crazy Thing Qui Coule, là, c'était parfait. oui, évidemment. Et j'ai pas parlé de Don't Pull Out Me Yet, qui pourrait se traduire par te retire pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini de. N'a pas fini de s'amuser. C'est magnifique ces choses. C'est magnifique. Des C'est thèmes. magnifique. Et puis l'arrivée du saxo pendant le refrain. Tu vois, à certains moments, c'est fabuleux. J'adore ce morceau. Ça tue. Voilà. Très Très bon. bien. Et c'est. On verra par la suite, mais pour moi, c'est le dernier grand album de Chelsea. Oui, pour tout le monde. Ouais. Pour tout le Voilà. Voilà. Et monde. puis, on a oublié de parler que pour Left Eye, en même temps qu'elle a enregistré cet album, elle était partie enregistrer avec Donette Jones pour Girl You Know What's Up. Où elle fait le remix avec Ouais. un couplet Un couplet fort, tu vois. incroyable. Elle marche dans le couloir de l'hôtel. Oh là là. Ah ouais, Incroyable. fabuleux. Tu parles de quel morceau? Bah juste avant de parler de celui de Donette Jones, parler de Don't Pull Out Me Yet. Ça termine l'album, il me semble. C'est Sinto, Sinto, il il a commence. commencé. Ouais, Sinto, il commence. Non, mais Hey, arrête 2 minutes, Sinto, parce que là, on va parler de quelque chose de triste. Puisque. Ouais. Ouais. Là, on parle de quelque chose de triste.
Non, mais reviens, driver. Non. À l'envers, ça me fait rire. Ouais. On peut pas rigoler. Là, on peut pas rigoler. Là, on peut pas parce qu'avant que ce troisième album sorte, donc tu dis en 2002, eh ben, Lefta décède. Déjà, elle a eu des événements difficiles parce qu'elle avait roulé, elle avait percuté un piéton, je sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, et le Ah, mec Belize, Belize, qui est son pays d'origine, en fait, voilà. elle était là-bas et elle n'a pas cartonné qu'une personne. Elle Il y a avait combien de cartonné personnes? plusieurs personnes, en fait. C'est ça qui est Ah ouf. ouais, d'accord. Ouais. Et je pense qu'elle est Imagine. alcoolisée ou Oui, drogue, je ne sais elle pas. avait des problèmes. Elle avait des problèmes d'alcool et c'était Ah. de pire en pire. Il y a eu ce moment où donc, elle renverse plein de personnes, dont elle en tue au moins une, du coup, qui Ouais, meurt. ouais, ouais. Qui meurt. Je ne sais plus si c'est dans ses bras ou quand elle l'emmène à l'hôpital, mais en tout cas, il meurt. Et puis, une ou deux semaines après, autre accident de voiture. Et celui-ci, il est fatal pour elle. Elle meurt sur le coup. D'ailleurs, c'est la seule personne dans la voiture qui décède. Ah, c'est fou ça. Ça, Ouais, c'est c'est fou. complètement fou ça. Ouais. Je C'est un car comprends crash. Il y a eu des tonneaux. La voiture a fait des tonneaux. Et la seule personne qui décède, bah, c'est elle. Et C'est ouf. surtout, c'était le moment où elle était suivie. Parce qu'il y avait. Parce que j'ai pas vu le biopic, mais j'ai vu le reportage Ouais. Days We Left Eye. Du coup, un reportage assez court, Ah puisqu'ils n'ont pas bah pu continuer. ouais. Et voilà, ces derniers moments, elle était vraiment pas bien, Left Eye. Tu Ouais. vois, vraiment dur. Ben, tu Et dans sais, cet moi, album, c'est vraiment. quand j'ai lancé le truc, en fait, pour essayer de faire mon morceau avec elle, Ouais. elle était signée chez BMG, en gros, la grosse Parce qui que était toi, au-dessus. c'est pour le deuxième album ou pour le premier, tu parles? C'était pour mon deuxième album que je l'avais. D'accord. Et en fait, je passe par BMG France, parce que j'avais des amis là-bas. Et au début, ils font la demande à son équipe, à son management. Et au début, ils nous disent, pas non, mais on est plus près du non que du oui. Ok. Et c'est pas à cause de l'artiste français. C'est ça qu'ils nous disent, en fait. Ils nous font comprendre que, enfin, ils veulent pas nous dire qu'il y a des problèmes. Mais ils nous Ok. disent, t'es pas mort, mais on Ça va vous être compliqué. recontacte. Moi, je me disais, OK, c'est mort. Et finalement, quelques mois plus tard, ils nous recontactent en me disant, OK, c'est bon, elle le fait. Mais déjà, ça veut dire à cette période-là, bien avant l'accident, tout ça, machin, elle avait déjà des problèmes. Ouais. Lié à l'alcool ou des drogues ou je sais pas et tout. Et finalement, voilà, on la perd. Ouais, On la dur. Et puis du coup, cet album sort. Elle est décédée avant du coup la sortie de l'album. Ouais. Et disons-le clairement. Alors, je dirais pas que cet album est mauvais. Non, 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 non. Il est pas Mais mauvais, il y a quelques morceaux qui sont cool, mais attends, je vais parler de quelques morceaux. Et toi on aussi, à parle mon de avis, qui TLC, on sont. parle de TLC quand même, c'est ça le truc de Voilà. problème. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que si c'était un autre groupe, on dirait, ouais, C'est l'album, cool. il est cool. Voilà. Tu vois. Mais là, on parle d'un certain niveau, une certaine exigence qu'on a envers un groupe qui, pour l'instant, avait fait un sans faute. Et moi, ce qui me dérange le plus, après, je vais vous dire ce que j'ai aimé, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère dans cet album. Il n'y a pas d'atmosphère TLC. Et c'est ça qui me dérange, parce que le fait qu'il y ait plein de producteurs différents, c'est pas grave, sur les autres aussi, c'est décent. Mais, à part quelques morceaux dont on va parler. J'ai du mal. Déjà, le premier single, moi, j'accroche pas. Girls Talk, J'ai bien aimé. j'ai. Moi, j'ai bien aimé. Moi. Je trouvais ça sympa. C'était pas fou, Moi hein, mais j'ai bien aimé. Par contre, le deuxième single, Magnitude. Hands Up, Hands Babyface, magnifique. Strip Club. Magnifique. Magnifique. Magnifique morceau. Et j'avais pas encore acheté l'album. J'entends ce single-là, j'ai dit. Bon, premier single, j'ai pas trop accroché, mais là, c'est du TLC. Ça va être fabuleux. Je vais chercher l'album. Et en fait, je me retrouve pas, à part sur certains morceaux. Il y a Turntables de Rodney Jerkins, qui Ouais, est, pour moi, le morceau le plus TLCien, j'ai envie de dire, de l'album, parce que c'est clairement une atmosphère. Parlant de Crazy Sexy Talk, Crazy cool. Sexy Cool. Vraiment fort. Et puis, il y a un truc que j'ai pas compris. Peut-être que toi, tu as des infos. Il y a une prod Neptunes. On est en 2002. Tu as une prod Neptunes et tu la sors pas en single.
Non, mais l'album ne marchait pas comme les autres. Donc en Bah oui. vérité, elles ont eu leurs deux clips, ça suffit, on arrête les frais en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas eu d'occasion de sortir d'autres singles. Ouais, mais t'as... C'est Enfin, tu ça. vois, t'as... Moi, enfin, on est en 2002. 2002, les Neptunes sont tout en haut. Ah, mais Et ben, je commence par sortir In Your Arms Tonight. Prod Neptunes. bon. Pas extraordinaire, Je mais... pense que ça aurait rien changé. C'était Je sais foutu. Il y avait un sale truc. Ce que je veux dire, pas. c'est que à partir du moment où la Left Eye elle est morte, en plus elle est morte d'une façon tragique, Ouais. il n'y a plus le truc pour faire TLC. Franchement. Ouais. Peut-être. Et puis, je sais pas ce que toi t'as aimé, mais moi j'ai été beaucoup déçu, entre guillemets, par la prod Raphaël Sadiq. Grand fan de Raphaël Sadiq, Ah non, mais mais je trouve que ça va pas pour TLC. moi, il y a deux morceaux que j'aime dans cet album, et on les a cités, c'est Girl Talk Ah, et Girl Talk et Hands Up. voilà, c'est les deux morceaux que j'aime. Après, le reste, il y a des trucs sympas et des trucs relous. Et donc, c'est pas un bon album. Damage, ça n'a pas été un single? Possible, possible. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus s'il y a eu un troisième single ou pas. Mais voilà, c'est pas un album que je conseillerais. Non, 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 non. Et puis peut-être qu'on peut enchaîner directement avec le quatrième, avec le cinquième, dans la foulée, qui est sorti il n'y a pas Non, si longtemps que ça. non, ça par contre. Hein. Ah. Bon alors, attends. Attends. Disons-le clairement. Cet album n'est pas utile. Bah oui. Autant dans 3D, il y a quelques morceaux, Ouais. deux, trois que je peux prendre. Là, c'est simple. Il n'y a eu qu'un seul single, c'est Way Back, il me semble, avec Snoop. Ce que je préfère dans le morceau, c'est Snoop. Moi aussi. Oui, bah oui, forcément. Moi aussi. Et Mais voilà, qu'est-ce que je c'est. me suis ennuyé? Je me suis Ouais. ennuyé. Et en plus, souviens-toi, elles ont joué des morceaux quand on les a vus en live. Ouais, De cet pareil. album-là. Ils en ont fait deux ou trois, je crois. Ah, Personne n'a calculé les forcé, morceaux. bah ouais, elle force. De toute Ouais, façon, forcément. y a plus Left Eye, voilà, Syntho Ouais, Géant, c'est le ici. géant. Les titans, ils viennent dire, c'est plus TLC, c'est ici. Ouais, et à partir du moment où c'est ici, c'est plus C'est vrai. pareil. Bah ouais. C'est vrai. Et Bah par ouais. contre, ce qui est cool ou pas, je sais pas, mais moi, je trouve ça bien qu'elles n'ont pas cherché à prendre un troisième membre. À remplacer Ah Left non, 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 c'est horrible ça. Ah Moi, je non, trouve ça. les trucs de J'aime pas les trucs remplacement comme ça. Ouais, voilà. là. Et J'aime puis pas les trucs comme ça. C'est. tu souffres de la comparaison, truc. Tu vois, même un Johnny Gill qui est un tueur hein, quand il vient dans Ouais, New mais là, Edition, c'est. tout ça, c'est magnifique, c'est cool, hein, mais Bobby, quoi. Ouais, Donc mais il y a là, toujours ce qui est différent, comparaison, c'est qu'il. c'est relou. Ouais. Ce qui est différent, c'est qu'il ne remplace pas quelqu'un de décédé. Non, Il non, remplace non, quelqu'un qui s'est fait virer du groupe. non. Moi, c'est Donc, c'est que différent. tu sois vivant ou mort, remplacer, c'est toujours bizarre. Même Blackstreet, qui pour moi, c'est ceux qui l'ont le mieux fait. Pour moi. Oh, mais eux, le cas, c'était tout le temps Mais, différent. ouais. Donc, Mais, c'est vrai en plus. Mais quand même, préférence pour Dave Hollister, Levi, tout ça. Ah, bah évidemment. Surtout la voix de Dave Hollister, elle est extraordinaire. Exact, exact. Ça y Syntho, est, exact. il est T'as en route, raison. il est en route, il est en route. Exactement. Et tu sais, je me demandais l'impact de TLC. Alors, je ne parlais pas juste aux États-Unis, mais à l'international. Et j'aimerais qu'on voit si l'impact. Vas-y. J'ai juste besoin d'une minute, même pas, 30 secondes. Vas-y. Je vous laisse avec mon plafond. D'accord. Johnny Gill, meilleur vocalement. Oh, Ralph Tresvant, vocalement, il était chaud, hein? Je sais pas lequel des deux, mais ça se bataille. Pour Destiny, ça a fonctionné. Pour Destiny, ça a fonctionné. Parce qu'elles l'ont fait dès le deuxième album. Un pipi. On sait pas. C'est pas la première fois qu'il me le fait. Ou caca. Je sais pas. Destiny, c'est pas comparable. Destiny, c'est pas comparable au niveau de l'impact, au niveau du fait qu'elles ont changé d'équipe. En sachant que les trois membres des TLC étaient trois membres très importants. Alors que dans Destiny's Child, il y a eu un membre
supérieur, entre guillemets, très vite avec Beyoncé. C'est vrai. C'est vrai. On parlait pourquoi ça a fonctionné le changement avec, Destiny's Child. Il n'y a pas eu de Destiny's Child, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours Beyoncé qui chante avec Kelly. Les autres, on s'en foutait. En fait, Destiny's Child, c'était un groupe sur le premier album. Et ensuite, c'était les débuts solo de Beyoncé. Et Beyoncé, ses copines. Donc, elle peut changer de copine, hein, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'amour à toutes ces Destiny's Child, il n'y a pas de problème. Et il faut des backeuses dans un groupe, c'est très important. Donc, on en était où? L'impact de TLC et voir. Alors, c'est compliqué en mélangeant les générations, mais si on reste que sur les années 90, est-ce que TLC est le plus grand groupe féminin R&B des années 90? Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Ah oui. Sur le terme d'impact, sur le terme des hits, sur le terme de la qualité des albums, voilà. Je suis un grand fan de SWV. Ouais, mais non, mais c'était pas. Niveau de l'impact, c'était pas le même niveau. C'était pas les mêmes ventes. C'est pas. On peut pas. Mais de toute façon, il n'y a pas de groupe féminin qui ont fait autant de ventes que TLC. Fou, hein. C'est fou. Elles ont fait 85 millions. C'est fou. 85 millions. Et ces filles ne sont pas riches aujourd'hui. Ouais, ces filles ne sont pas riches aujourd'hui. Par contre, Babyface et Ellie Reed. Ah, bah, elles ont fait des contrats à la Puff Daddy. Hein. Ah oui, non, mais tout ça, on le voit dans le biopic. Hein. Je vais le regarder, le biopic. Tu le vois, et même tous, il faut que les gens le voient, et particulièrement ceux qui sont dans l'industrie de la musique, ce biopic, c'est une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudrait faire. Vraiment. Tellement, il y a des passages horribles. Il y a des passages horribles. Tu te dis, c'est pas possible que des stars comme ça, elles en soient là. Donc, c'est vraiment un biopic à regarder. C'est dingue. Fin 90, bah, si on prend Fan Mail et Writings on the Wall, Writings on the Wall est un meilleur album. Oui, bah oui, mais ça c'est. Mais Destiny's Child, elles vont devenir surtout après, incontournables après, les plus grandes après, ça. Mais d'abord, c'est TLC. Elles sont croisées. Il y en a une qui montait et l'autre qui descendait. Exactement. C'était ça. Mais dans les années 90, le meilleur groupe, c'est elle. Après, est-ce que c'est le meilleur groupe R&B féminin de l'histoire? À débattre, mais c'est possible. Voilà. Donc, à voir, ce sera pour un autre live. Uh-huh. Là, on va arriver au moment qui est difficile, Driver. Eh ouais. Donc déjà, avant de parler de nos top 10, juste préciser que Left Eye, elle avait sorti un album solo qui était nul. Je suis désolé. Je l'adore, hein, mais l'album, c'était n'importe quoi. Et qu'ensuite... Le premier, tu parles. Ah, la Nakam. Non, la Nakam. Il n'est pas sorti. Il n'est jamais sorti. Elle est morte avant. Et je sais pas, j'ai pas écouté, mais ouais. Je pensais qu'elle avait sorti le deuxième. Nina, ça devait être chez Defro. Defro, c'est le bordel. Donc, c'est étonnant. Surtout à ce moment-là, Tupac était mort, tout ça, là, c'était le bordel. Mais voilà, Supernova, le titre de l'album. C'était vraiment très bizarre. C'est les morceaux qui ont été refusés par Ellie Reed et par Dallas Austin. Je comprends pourquoi ils ont été refusés, mais rest in peace. Left Eye. Moi, je trouve pas si mauvais que ça, l'album. Mais après, bizarre. Faudrait que je le réécoute. Je ne comprends pas, en fait. D'ailleurs, il y a un morceau avec Tupac dedans. Oui. Mais bref, je ne comprends pas. Après, elle était dans un état. J'attendais beaucoup d'elle en solo, pourtant. Je pense que beaucoup. Il y a eu un clip de son solo avec des enfants partout. On dirait Alice au Pays des Merveilles. Yann. Donc voilà. C'est l'heure du top 10. Alors, je répète quelque chose sur le top 10. Ça a été une galère monstre parce que j'avais 14 morceaux et il y en a aucun que je voulais enlever. Pareil. La seule chose qui a été facile pour moi, c'est mettre le numéro 1. Et d'ailleurs, on va voir si on fait... Je pense que cette fois-ci, on n'a pas le même numéro 1. À mon avis, non. À mon avis, là, on n'a pas le même. Je pense. Parce que je crois savoir lequel c'est. Je pense que tu ne sais pas lequel c'est. Ah ouais? Ah ouais, je pense que tu sais pas. Ah bah c'est qu'on a vraiment pas le même alors. Parce que moi le mien il est évident. Mais okay. Vas-y, on commence par le 10.
Numéro 10, moi j'ai Let's Do It Again sur Crazy Sexy Cool. Moi, Crazy Sexy Cool, c'est mon album préféré, donc j'ai failli mettre au moins 8 morceaux de cet album. J'ai dû me calmer. Mais voilà. J'ai failli faire Let's ça Do aussi. It Again. Incroyable. On fait voir, attends, Lou. Ah, en numéro 10, moi j'ai Unpretty. OK. Super beau, super fort. Alors, faut un truc, c'est que c'était tellement dur de les classer que même le dixième, en vrai, il pourrait être premier. Voilà, c'était voilà. C'est ça qu'il faut voir. C'est très, très dur. Donc, j'ai mis Unpretty parce que j'aime la vibe. J'aime quand TLC sont très engagés, enfin, très girl power comme ça et qu'ils font passer un bon message. Et j'aime quand ce R&B change un peu et ne parle pas que de sexe et d'amour. Et là, c'est ça. Et voilà, j'aime beaucoup. Même si je suis un garçon, ça me touche énormément ce morceau. Ouais, moi, il était trop pop pour moi, en fait. C'est pour ça que, pas dans mon top 10, mais c'est une belle chanson. Quand tu vas voir ce que j'ai pas dans mon top 10, on va pas être Ouais. content. Bon. Numéro 9. Oui. Ain't Too Proud to Beg. Je les ai découverts avec ce morceau, Ouais. la folie, l'énergie qu'il y a dedans, c'est un truc de ouf pour moi. C'est vrai. Donc, ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, en numéro 9, j'ai N Too Proud to Beg. C'est pas vrai. Si, je te jure, c'est vrai. Okay. Ben voilà. Je l'ai en numéro 9. Bon, moi, je ne les ai pas découverts avec ça. Je suis revenu par la suite et j'ai adoré l'énergie qu'elles avaient. J'ai adoré le clip aussi. Et voilà, c'est cool. Et cette fin de New Jack super bien maîtrisée, ça me plaît. Et il y a un J'ai truc qui est beaucoup aimé. fou sur ce morceau, Ouais. c'est que c'est un groupe de R&B, mais en vérité, les couplets, ils étaient chantés et le refrain était rappé. Le Exactement, refrain elles ont était fait rappé. l'inverse. C'est Ouais. complètement fou. Elles C'était pas courant. ont fait l'inverse. Voilà. Ouais. Super fort. Ok. On a au moins une place en commun. Je pense Voilà. que c'est la seule. Numéro 8. 8. Ouais. Moi, j'ai Kick Your Game, toujours sur Crazy Sexy Cool. Produit Depuis par Jermaine Jermaine Dupri. Dupri. Ouais. Ouais, Ce évidemment. morceau est complètement fou. Je kiffe. Évidemment. Voilà. Moi, j'ai hésité longtemps pour Kick Your Game. Ça faisait partie de mes 14. Et je me suis dit, putain, si je la mets, je la mets pas. Et je me suis dit, de toute façon, Driver, il l'aura, c'est sûr. On pourra en parler avec Driver. Tu me connais, tu me connais. Moi, en 8, j'ai Waterfalls. Encore une fois, morceau très fort, très poignant, très engagé. Et Gros voilà. tube énorme. Et au final, peut-être que Waterfall, c'est un peu la suite de. Tu sais, sur ce premier album, elles avaient des préservatifs partout sur elles. Et dans le deuxième Bien vu. couplet, on voit la meuf qui Bien enlève le préservatif au mec pour qu'il couche chant. Donc, Bien je sais pas vu. si c'est une continuité, si c'est fait exprès, Peut-être, c'est mais possible, c'est possible. voilà, j'ai trouvé le clin d'œil plutôt pas mal. Donc, Et c'est ouais. mon numéro 8. OK. Numéro 7. Ouais. No Scrubs. D'accord. Eh ouais. D'accord. Très fort, nos Scrubs. No Scrubs de gros morceau. Après, je ne le mets pas aussi haut que le succès qu'il a eu, mais parce qu'il y a plein de chansons que je kiffe. Oui, évidemment. Il y a plein d'autres chansons que je kiffe, mais très gros morceau, Oui. gros hit, single. Et comme j'ai dit, le texte est marrant. Ouais. C'est super bien écrit. C'est une chanson que j'aurais voulu écrire pour Aya Nakamura. Ah. Tu peux toujours lui Quand écrire une chanson un peu. tu écoutes Jaja, tout ça, c'est ce genre de Ah ouais, thème, en fait. c'est totalement ça. Oh, C'est voilà. totalement ça. Voilà. En 7, j'ai Baby, Baby, Baby. Je me souviens plus si on en a parlé. Donc, toujours sur le premier album. Si on en a parlé un peu. Écrite par Babyface. Tibo, super sexy, comme il faut dessus. Magnifique. J'adore ce morceau. C'est Et magnifique. j'ai oublié de le dire, mais. L'association T-Boz Babyface, c'est formidable à chaque fois. Il n'y a pas Ouais. eu un seul loupé. Vrai. Et Magnifique. du coup, ça a pris la place d'un très gros morceau qui est resté dans les quatre qui n'ont pas fait Oh le top 10, mais on en parlera après. merde. Ok. 6. 6. Moi, j'ai Cilio. Ok. Comme je disais tout à Formidable, l'heure, Cilio. j'adore ce morceau. Ouais. Incroyable. Quel instru. T-Boz. Complètement dingue. Et Thug Attitude au max. pour la petite anecdote, la première fois que je mets mes pieds sur la scène de l'Olympia, Ouais.
la première ou la deuxième? Non, c'est la deuxième. C'est pas vrai. La deuxième fois, c'est Alliance Ethnique qui m'invite pour le concert pour leur deuxième album. Et Kamel m'invite à faire un freestyle avec lui sur l'instru de Silio. Oh, super. Donc, j'ai un super bon souvenir avec ce morceau et tout. C'était à l'Olympia, blindé et tout. C'était magnifique. Donc, voilà. Et ben moi, toujours sur le premier album pour le numéro 7, What About Your Friends? Encore une. On a beaucoup vanté, on a beaucoup vanté T-Boz, mais qu'est-ce qu'elle est super forte sur ce morceau. Et en fait, je me demande si un album New Jack, tout, elle toute seule, si ça aurait pas été un grand album. Vraiment. Merci de Oh, c'est beau. N'importe quoi. Ouais, non, bah ouais. Ouais, ça aurait pu être une idée, hein. La New Ça aurait. Jack. T-Boz New Jack avec sa grosse voix. Ouais. Pourquoi pas? Moi, j'aurais trouvé ça cool. Mais bon, Pourquoi pas? c'est un what if qui n'arrivera pas, du coup. Ouais, bah Ouais. Mon top ouais. 5, déjà? Eh ouais, top 5. Alors, numéro 5, moi, bah, j'ai Baby, Baby, Baby. Ah, ok. Ouais. Ok. T'as tout dit, hein. Super, voilà, super morceau, on Grande, l'aime. grande chanson, Mettez c'est dans la votre playlist pour faire l'amour, c'est formidable. folie. Voilà. En numéro 5, on n'en a pas parlé tout à l'heure, encore une fois du Babyface, Digging on You. Digging on You. Elle fait partie des chansons que j'ai dû enlever. Ça me fait mal au cœur. Ah Ça ouais, je me fait comprends. mal au cœur. Oh là là, J'adore quel cette titre chanson. incroyable. Ah ouais. Digging on You. T-Boz, comment Parce elle que. rentre au début, c'est doux, c'est doux. Et surtout, ça m'étonne qu'on n'en ait pas parlé tout à l'heure. Cette chanson, c'est une phase incroyable. C'est quand même, Thibaut est en train de dire, hey, je sais que tu es en train de me draguer, tu es en train de me balancer des cheesy lines, mais ça me plaît. Continue! Continue, ça me plaît, ça va marcher. Vas-y! C'est formidable. J'adore ce titre. Comment j'aurais bien aimé qu'elle me dise ça à l'époque. Ouais, j'imagine. Là. J'imagine. Gros morceau. Là, le top 4, ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'as? Moi, alors, je réponds à Noise. Non, Noise, je préfère la version de Prince. C'est pour ça. De If I Was Your Girlfriend? Non, 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 non. Je parle de Get It Up. C'est le morceau que j'avais fait Ah! pour Poétique Justice. Ok. Donc voilà. Là, on est à la 4, c'est ça? Ouais, on a la 4. La 4, j'ai mis Red Light Special. Quelle balade. Quelle balade. Give me the red light C'est magnifique. special. C'est magnifique. On a parlé tout à l'heure, le clip, tout ça. Lefta, elle est habillée en pimp, il me semble. Hein. Elle a une fourrure de chapeau, tout, nan, nan, un Mac. Oui, Ouais. elle est en pipe. Elle est en pipe et il y a un mec torse nu à côté d'elle. Normal. Non. Ça pue. C'est sa pute. C'est ça. C'est normal. Ah ouais. En 4, j'ai creep. Creep, tuerie absolue. On en a parlé, c'est le fait de tu me trompes? Eh ben moi je te trompe, mon pote. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un morceau qui est magique, qui aurait pu être premier. Mais en fait, j'ai trois morceaux que j'aime encore plus devant. Je comprends, je comprends, je comprends. Hein. Ouais. J'ai hâte de savoir quel est ton premier parce que je pense que moi, t'as grillé quel était mon premier. Ouais, je sais pas. Non, je suis complètement perdu dans ton classement. Mais Ouais, je vais découvrir. c'est Left fou. Eye Pimp My Ride, n'importe quoi. Donc là, c'est numéro 3, c'est Oh, you know. C'est pas bien cette phase sur les voitures et les fly. Je jure, c'est pas bien. Il nous reste 20 secondes. Donc, je D'accord. coupe, on revient tout de suite, je relance. Donc, D'accord. à tout de suite. Nous revoilà. On est de retour. Merci, Rudy VLF. Merci. Alors, je te le dis discrètement, mais pendant la petite pause, j'étais en train de chanter mon numéro 2. On n'en est pas encore là. Ok. Voilà, donc c'est grave pas intéressant de le dire. Là, on était au numéro 3, c'est ça? Ouais. Alors, ok. Alors,
En numéro 3, moi, j'ai Waterfalls. Ok. Voilà. J'avais senti que tu l'aimais beaucoup. Gros tube, c'est beau, je sais pas. C'est-à-dire, alors, autant dans le clip, on voit que ça traite de sujets très profonds et même durs. Ouais. Mais moi, quand j'écoute sans faire attention aux paroles, ça me met de bonne Ça humeur, en pourrait être fait. sexuel. Ouais. Ouais, il y a des guitares cool et tout, j'aime bien. J'aime bien. Ça me met bien. Et puis, tu peux faire le jeu de mots Waterfalls avec d'autres choses. Et en effet, ça pourrait être un morceau sexy. Mais malheureusement, c'est pas ça. Ok. Quel est ton numéro 3? Dear Lie, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la plus belle chanson écrite. L'interprétation est fabuleuse. J'aime profondément cette chanson, en fait. Voilà, j'aimerais bien que quelqu'un me mente et que ça me fasse mal pour que je puisse écouter cette chanson. Ouf. T'es Tu complètement ouf. Non, moi c'est un Sinto. Sinto, on est dans un live tout public, s'il te plaît. moi Dear Lie, c'est comme pour Unpretty, c'est Ouais. trop pop pour moi, mais je reconnais que c'est une très belle chanson. Ah Voilà. ouais, putain, qu'est-ce que tu Donc parce que c'est trop pop, c'est pas dans mon top 10, aimes? Ok. mais par contre quand je les entends, je zappe pas. J'aime Elle vraiment. était dans tes 14? Non. Non, même Les pas? Ok. deux morceaux, ils n'étaient pas dans mes 14. Parce que trop pop pour moi. C'est juste ça. Ok. Mais bon. Ok. Numéro 2. Deux? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as? J'ai mis Creep. Oh, je pensais que c'était ton numéro 1. J'ai fait Je sais. Tu n'as alors pas vraiment, mon numéro je 1. suis perdu. Ah, tu Je n'as pas suis mon perdu. numéro C'est pas Creep le numéro 1? Qu'est-ce que ça peut être? 1. Non. Non. Tu vas voir. Oh, oh, ça va être Enzo, il était dans mes 14. J'ai pas pu le garder. J'ai mal. J'ai mal. Il était aussi dans mes 14. Voilà. Bon. Ok, donc c'est pas ton premier creep. Non. Numéro 2 pour toi. Red Light. Ah, faut que j'arrête de dire Red Light District. Red Light Special. Red Light Special. Il n'y a pas de morceau plus sensuel Ah, il est de magnifique. Il est TLC. magnifique, ce morceau. Il est Enfin, magnifique. de Thibose, hein, parce qu'elle est en solo. Mais magnifique. Magnifique. Une réussite totale à tout point de vue. Et puis, je peux la mettre en repeat one toute la journée. Ça va pas me lasser. Alors que mon numéro 1, si je le mets en repeat one toute la journée, à un moment donné, je vais en avoir marre. Pourtant, pour moi, c'est leur meilleure chanson. Ok. Je vois toujours pas, mais on va Non, je vois pas le découvrir. tien et c'est ça qui Bon, me, c'est ça qui me. C'est quoi le tien? l'heure du numéro 1. On va demander à un huissier d'ouvrir. Ouais. Alors, mon numéro 1, c'est What About Your Friends? C'est ma chanson préférée, TLC. J'aurais jamais Je pensé que tu allais sais, la je mettre sais. C'est numéro pour ça que je savais, je t'ai dit, jamais on aura le même numéro 1, c'est sûr. Ah ouais, c'est ah là, c'était sûr et certain. What About Your Friend, pour moi, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est ma chanson préférée de TLC. Ouais. Bah, C'est on en a fou. parlé, moi aussi je l'adore. Super morceau. Le refrain, voilà, DJ Noise, merci. Merci. Et non, c'est un truc de ouf. Le refrain, je le trouve chaud. Et je vois, il y a des gens qui disent, ah, ça se voit, vous aimez pas Chili, tout ça. On entend bien Chili sur Ouais. ce Non, mais refrain. on adore Chili, mais c'est Elle est moins présente. Thibose la plupart du temps. Ah, elle est moins présente, c'est sûr. Donc, voilà, mais moi, c'est What About Your Friend. Vraiment, cette chanson, elle me rend dingue. Ouais. Elle met de bonne humeur, tout Je ça, peux c'est cool. comprendre. Je peux comprendre. Donc, voilà. Ton numéro 1. Moi, mon numéro 1, en sachant que le top 10, j'avais déjà le numéro 1, Ok. c'est No Scrubs. No Ok. Scrubs, c'est cette chanson. En plus, toi, dans les soirées que j'espère qu'ils vont reprendre, tu fais, Ouais. quand tu balances No Scrubs, ça doit être une folie absolue. Meufs, elles chantent. Bah ouais. Elles chantent comme jamais. Bah ouais. Donc moi, No Scrubs, j'adore ce morceau. Vraiment. Et pour moi, c'est leur morceau le plus fort et c'est leur meilleur morceau. Suis obligé de répondre à Ready 187.
Ouais, le morceau de Tibos avec Richie Rich, là, le remix, il est ouf, le morceau. Mais ça, c'était un solo de Tibos. Complètement ouf, le morceau. Je pensais qu'elle allait sortir un album après ça, mais non, elle nous a feinté. On en revient avec Tibo's morceau, album New Jack. Hein. Ça aurait Ouais, été, ça aurait été un bon truc. ce qu'elle veut, je l'aurais acheté à l'époque. N'importe quoi. Un album de Zouk de Tibos, je l'aurais acheté. Avec sa coupe de cheveux, là, magnifique. Ah, super. Boss, j'étais trop d'accord avec elle. D'ailleurs, Mais... toi qui regardes Naruto maintenant, Hinata a la même coupe que Tibo's, époque, à la grande époque de Chelsea. Exactement, mais je suis Kakashi. Je sais que t'es Kakashi, évidemment. Voyons. Et ben voilà, on l'a fait ce top 10 qui était. Ah, J'aurais mis en c'était mettre 14, mais. ouais. Ah Mais ouais, écoute, c'était tu vois, j'aurais. Est-ce qu'il m'a. T'as mis N Too Proud to Bang? Ah oui, tu l'as mis. ouais. Tu l'as mis. En Voilà. neuf, un truc comme ça, je crois. Et ben tu vois, moi, j'ai pas pu placer Silly Ho et ça m'a un peu fait chier. Tu vois. Parce que j'aime beaucoup ce morceau. Ouais. Mais elles ont énormément de gros singles et de bons morceaux. Tu vois. Donc c'était compliqué. Très forte. Et Hands Up aussi, j'aurais aimé la placer. Ouais. Il y a un morceau qui était sur le deuxième album, je sais plus, je l'ai retiré, ça m'a fait très mal. Bah, Digging on You, déjà. Et il y avait un autre Take morceau, our je sais time? plus. Take our time? Je sais plus. Bref. Il y avait quatre morceaux que j'aurais voulu laisser, j'ai dû les enlever, c'est dur, c'est dur. Cileo, c'est une Bon, tuerie, bien sûr, je vous l'ai dit. évidemment, bien sûr, c'est une tuerie. Mais de toute façon, elles ont Ouais. énormément de tueries. Et c'est clairement le meilleur groupe R&B 90. Féminin. Clairement. Non, 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 Kick Your Kick Game. Your Game, non, Kick Your Game, je l'ai mis. C'est le truc de Jermaine Dupri, là, si je History, super, super morceau, History. On n'en a pas parlé, donc sur le premier album, super morceau. l'ai. Attends, Sinto qui dit si jamais il y a eu possibilité d'un versus TLC, vous les mettrez contre qui? Contre Destiny's Child. Destiny's Child. Ah ouais. Il n'y a pas d'autres groupes R&B Ouais. qui peuvent rivaliser en termes de hits Ouais. à part les Destiny's Child. Wow. Pas possible. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Donc, maintenant que nous avons fini avec TLC, Oui. raconte-moi tout de John Legend contre Alicia Keys Alors. comme je ne l'ai pas vu en plus. Ben moi, j'ai dû capter des vidéos à droite à gauche parce que normalement, c'est le dimanche qu'on fait les lives. Eux, ils l'ont fait un autre jour. Oh, c'est pas comme ça. Ils cassent les règles, ils s'en Ah, foutent. ils cassent les règles. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé super cool, c'est qu'ils étaient ensemble. Chacun avait son piano de Ouais, son côté, ils étaient ensemble. j'ai vu les Ils jouaient photos. à tout bout. Et ça, c'était super cool. Clairement. Surtout que piano-voix, autant John Legend que forcément Alicia Keys, c'est fabuleux. Vraiment. Après, avant de préciser qui pour moi a gagné, John Legend a une voix fabuleuse. Alicia Keys a une voix fabuleuse. Et même si en termes de hit, ça se vaut pas, en termes de puissance vocale, c'était un très bon choix. Mais Alicia Keys est largement meilleure. Alicia Keys est largement meilleure. À la plus de Elle a. hits, j'aimais À bien la qu'elle plus de gagne. hits, les interprétations, elles étaient encore plus fabuleuses. John Legend était incroyable, mais Alicia Keys est encore plus fabuleuse. Et ce que tout le monde savait, c'est produit. Alicia Keys a gagné. Mais en fait, c'est même pas l'histoire de qui a gagné, c'est l'ambiance qu'il y avait, comment eux interagissaient l'un avec l'autre. Et c'était super. C'était un grand moment R&B, un peu soul. Moi, j'ai adoré. C'est pas le meilleur versus que j'ai vu, mais j'ai adoré. Vraiment. On sent qu'il y a eu un déconfinement, hein. Carrément, ils étaient ensemble. Ouais, voilà, ils ont fêté le déconfinement. Et puis on sent qu'ils s'apprécient vraiment. Tu vois. Quand il y a eu le The Dream contre Sean Garrett, j'ai pas l'impression qu'ils s'apprécient énormément. Tu vois. The Dream, il n'était pas très content. Donc, voilà. Là, ils s'apprécient, c'était cool. Si vous pouvez checker les vidéos si vous ne l'avez pas vu. C'est important parce que vous allez passer un bon moment et puis c'est toujours cool de voir Alicia Keys qui pousse sur sa voix parce qu'elle a une sacrée voix, Alicia Keys. Sacré Alicia.
Sacré Alicia. Et j'avais vu un truc de Sinto, tu sais, quand il avait demandé contre qui on pouvait mettre TLC en versus, on a dit Destiny Child. Il a demandé si du coup TLC gagnait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça dépendra de la sélection des morceaux. Ouais. Il y a 20 Je peux morceaux, pas dire ça dépend de la sélection, mais là, clairement, je peux pas, moi non plus, je peux pas, c'est trop dur. avant. Ah. C'est trop dur. Là, c'est 2 heures de hit chaque groupe. Ah, par contre, on passera un bon moment. Ça, c'est Ah sûr. ouais, là, ça va être fabuleux. Même si ça n'arrivera pas, ce sera un moment fabuleux. C'est clair et net. Et bah, voilà. Exactement, c'est un dilemme. Ah oui, ce sera un dilemme. Pour moi, TLC gagne. Ouf. Sais pas, je sais pas. Il faut respecter Destiny Child, hein. Il y a du tube, hein. Le biopic dont vous parliez sur TLC, on peut le trouver où? Alors moi, je suis pas un spécialiste, mais faut aller sur les trucs de streaming en totale illégalité, je crois. Non, mais c'est un truc qui est passé à la télé américaine. Donc, je pense que vous le trouverez sur les trucs de streaming. Mais moi, je connais pas ces trucs-là. Je peux pas vous donner d'adresse. Je suis pas là-dedans. Je suis totalement dans la légalité. Évidemment, Oui. la FNAC de Châtelet le sait. Il y a les élections municipales la semaine prochaine. C'est pas le moment de me mettre dans des histoires. Il faut que je sois réélu. Ah. Attends, TLC touchait tout le monde. Destiny Child, c'est un peu plus. Ouais, Destiny Child, peut-être que ça ne touchait pas toi, mais ça touche tout le monde. Non, ça, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Après, t'as le droit, tu peux préférer TLC, tu as le droit. Hein. Mais là, en étant objectif, c'est compliqué de dire qui gagne. Vraiment. Voilà. Pour le biopic, on vient de nous dire que c'était trouvable sur VH1. Alors, je pense sur le site de VH1, peut-être il y a des séries de films qui sont déjà passées. Bon, on peut cliquer dessus, je sais pas. Allez voir, mais vraiment à regarder. C'est très important pour la culture. J'allais checker. J'avais arrêté un peu les biopics après celui sur Alia, Saint-Charlot, qui était nul. il a dit un vrai truc. Cassie contre Christina Milian. Ça, c'est pour toi, ça, Hubert. Bah arrête, Christina Milian, elle va gagner. Franchement, Arrête, respectez Christina Milian. je l'ai un peu cartonné la semaine dernière, mais sur ce coup-là, Christine Amélie, elle gagne. Attends, faut pas Elle tique déconner. à qui vrai. Ah ouais, non. Arrêtez, respectez un peu Christina quand même. Non, Oh. Madame Pokora, voilà. Par contre, du coup, Christina, je ne sais pas trop contre qui on peut la mettre. Contre Nivea. Parce qu'il faut pas du trop gros contre Christina Milian. Ouais, mais je trouve que Nivea, c'est déjà trop gros pour elle, hein. Non, Qualitativement. arrête. Ah, qualitativement, c'est mieux. Oh non, non, Ah non. si, Oh, je suis ah pas si, d'accord. ah si. Enfin, tu sais ce que Ah. je pense de la discographie de Je Christina. sais, je sais, je sais. Et Voilà. d'ailleurs, je suis pas d'accord. Hein, on en parlera un jour, mais je suis. Si tôt. Hey, j'en peux plus, Sinto. J'en peux plus, Sinto. C'est pas possible. On en parlera un jour de Chris Namilian parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Et ça peut être. Tu vois. Non, c'est pas possible. Mais bon, moi, Et The Dream en arbitre. Ouais, parce que The Dream, ouais, il a fricoté avec les deux. DJ Noise, il a dit que c'est la Mélanie jamais contre Lumidi. Oh, mais respectez Christina. Vous rigolez. Elle a des presque hits. Et ses albums, ils sont pas mauvais. Et le dernier album est un très bon album. C'est, tu peux montrer ton plafond tant que tu veux. So Amazing, c'est un très bon album. C'est L'amour, tout. c'est beau l'amour. Ah. C'est beau l'amour, c'est beau. Tu lâches pas tes trucs, c'est beau, c'est beau. Mais elle est avec Mathieu. Il faut Non, mais laisser. ça y est, c'est bon. Ils sont très bien. Mais là, on reste juste sur musical, enfin, musicalement parlant. Et on. Merci, merci Ready 187. Il a dit Lumidi, elle a un hit et elle chante faux dessus. C'est ouf. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est vrai. Non, il me semble que Lumidi, elle a deux hits. Parce qu'elle a aussi celui où elle a repris une chanson Le truc de de Dirty Whitney Dancing. Houston. Non, de Dirty Dancing. Elle a repris.
Non, elle a qu'un hit, franchement, elle a un seul hit. Oh, ça Toi-même, c'est tu te rappelles compliqué. même pas. Ça veut dire que c'est pas un hit. Non. Elle a juste son oh, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ouais, je sais plus. Je sais plus, de toute façon, passons à autre chose et Non, laissons Christina tranquille. non, Voilà. ouais. Bah on fait quoi? On se retrouve la semaine prochaine? Ben écoute, ouais, la semaine prochaine avec un nouveau thème. J'ai quelques propositions. Ah, toi, t'es toujours en She's avant. like the wind. Voilà, merci. C'est pas un hit, ça. Arrêtez, Il y personne avait un ne clip. dit ça. Non, mais elle a plein de clips, hein. Si tu veux des clips, elle en a Ouais. plein. Hein. Mais je sais Oui, pas. parce qu'à ce moment-là, Tinashe, elle a que des hits. Hein, Bah oui, voilà, hein. Tu veux des clips, il y a des gens, ils en ont plein. Là. en plus, j'ai deux idées pour la semaine prochaine. Il y en a une des idées qui, à mon avis, te plaira. La deuxième, je te cache pas que c'est plus pour moi, mais on verra si si ça te va. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire une rectification tout à l'heure où je parlais de Get It Up de TLC. J'ai Jodeci, dit, alors. non, de TLC. Non, déjà, Jodeci, j'aurais bien aimé. Et j'ai dit que Ouais. je préférais la version Prince dans ses, de Time. Time, groupe Time. Voilà, juste D'accord. ça. Mais Parce que Prince, c'est I was your girlfriend. Enfin. bon morceau, très bon morceau. Ouais, exactement. Donc voilà. Lumidier et Quat Met Scoop. Ouais, bah c'est le refrain de Whitney Houston. Non, le refrain de Whitney Houston qui donne un truc. Et puis, c'est pas des hits, ça, c'est des trucs de DJ en soirée. C'est pour ça que tu dis ça, non, c'est un DJ. Donc tu la passes. Voilà. Voilà. Y a des idées là et Ouais. on verra plus tard. Parce Ouais. que je vais un peu spoiler, c'est pas du tout les idées que j'avais. Mais on verra parce qu'on est comme les deux grands fans de la New Jack, ça peut arriver. Ça peut Ok. arriver à un moment donné. En plus, j'écoutais Ronnie de Bobby Brown tout à l'heure. Et Jacinto arrête. Fouzi, ah, Tony Braxton. Ah, c'est pas Ah, ben, mal. C'est pas c'était mal. peut-être une des idées, je sais pas, peut-être Je pas. pense que c'était dans ta tête, je pense. Il Je te connais, je te connais. y a, y a, c'était la semaine dernière où j'ai mis une chanson d'une des personnes dont j'aimerais qu'on parle, et peut-être qu'elle a été citée là. Voilà. J'en dis pas plus. Ok. Juste petit indice, est-ce que vous aimez la guitare espagnole? La Spanish guitare, comme on dit. Voilà, c'est bon. Voilà, Allez. je n'en dis pas plus. Ouais. Voilà, on verra la semaine prochaine. Ce serait une bonne idée, en tout cas. J'aime bien. On en parle hors antenne. Voilà. Ok. Bah, Ça écoutez, marche. salut tout le Ouais. monde. Je vais regarder La Reine du Sud, là. Je suis en retard. Donc, Fabuleux. Moi, je vais aller au Netflix. McDo parce que j'ai faim. Ah, c'est super, ça. C'est un super important. Allez. Voilà. Bon, Bon. et bah la semaine bah la semaine Bon. prochaine alors. La semaine prochaine. On parlera pas du monsieur de Chicago, so je vous le dis. Ouais, non. Voilà. Allez. Bon, allez, ciao. Salut. Ouais.